Bonjour à toutes et à tous. Ici, nous continuons notre tour, donc la CIP TV, à la rencontre des exposants et des différents espaces qui sont proposés durant cette 18e édition, ici au sein même du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. J'ai à mes côtés Soukaina Bouanani, bonjour, donc chargée de mission auprès du président à la CETEMCO. Alors parlez-nous de cet espace qui est dédié justement à la démonstration des différentes solutions qui sont présentées lors du CIB. Ok, avec plaisir. Donc d'abord je vous parle rapidement du CETEMCO. Donc CETEMCO, c'est le centre technique des techniques et matériaux de construction qui existe depuis quasi 26 ans aujourd'hui. Et pour cette 36e édition du CIB, nous avons décidé, en plus de notre stand d'exhibition, de dédier un espace métier et matériaux, de le dédier au live démo sur les applications et poses de produits de construction. Donc on a eu des poses de carreaux, des poses de cuvettes, des applications d'isolants thermoacoustiques, comme ce qu'on peut voir ici aujourd'hui. Et puis voilà, pour sensibiliser un peu les gens sur les bonnes pratiques, les normes. Voilà. Très bien. Alors, une petite dernière question. Vous avez mobilisé l'ensemble des acteurs, justement, des matériaux. C'est des démos qui sont ouvertes, bien sûr, aux professionnels, au public. Aujourd'hui, quelle appréciation vous avez, justement, de votre participation au CIB? Votre participation au CIB et quels sont les avantages et quelles attentes vous attendez par rapport à cette participation du CIB? Alors, de manière générale, nous sommes très satisfaits de notre participation de cette année. Nous avons eu des visiteurs professionnels essentiellement, des gens du secteur, des gens qui ont fait donc le déplacement pour des buts bien précis. En revanche, concernant cet espace métier et matériaux, c'était une grande réussite parce que nous avons pu remarquer que les gens étaient très intéressés pour continuer à se former, à améliorer leurs bonnes pratiques de mise en œuvre. Et du coup, nous avons plein d'idées pour des projets à mettre en place. Je ne vous en dis pas plus et peut-être on verra ça à la prochaine édition du CIB. Merci Soukaina Bouanani, chargée de mission auprès du président de la CETEMCO pour cet espace mis en place au cœur du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Et nous continuons merci à vous, à très bientôt. Voilà, nous continuons ces rencontres avec ces différents acteurs, toujours dans l'espace de la CETEMCO. CETEMCO ici, qui a donné l'objet d'une démo. Et j'ai avec moi un des responsables, justement, spécialiste dans cette solution que nous allons vous montrer en image. Bonjour, alors présentez-vous d'abord. Bonjour Sidi. Donc c'est Omar Mzouri, je suis responsable de vente de la société Comfort Isol. La société Comfort Isol, c'est la représentante exclusive de Huntsman Building Solutions, qui est une très grande entreprise américaine spécialisée dans les solutions pour les produits destinés aux bâtiments en général. Maintenant, on est chez CETEMCO, on était invité sur leur stand, leur espace, pour faire une démonstration de l'isolation en mousse expansive. Si vous pouvez voir sur l'échantillon à côté, c'est une mousse qui est thermoacoustique, c'est-à-dire elle est bénéfique pour le froid et la chaleur, et aussi pour le sang. Donc cette mousse, elle a été développée au Canada. Et ça fait 6 ans qu'on travaille avec au Maroc. On a travaillé sur plusieurs grands projets avec plusieurs grands opérateurs ici au Maroc dans le domaine du BTP. Et maintenant, on est au salon pour présenter aussi notre produit avec tous les gens qui sont présents ici au salon. Alors, comment vous trouvez-vous ce retour de cette 18e édition du salon et qui plus est au parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida? Quelles sont vos impressions? Donc, premièrement, j'ai très bien aimé l'emplacement. C'est très accessible, à côté de l'autoroute. Tu n'as pas beaucoup de temps pour arriver jusqu'au salon. En plus, l'organisation, elle est magnifique. C'est rien à dire. Et aussi, la qualité des exposants. Cette année, il y a beaucoup de grandes entreprises. Généralement, ça se passe bien.
Merci beaucoup.